Salut les gens, c'est MattMovie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez remarqué, on est sur la même map que l'ancien no mode, donc on va faire un no mode. Mais alors ce no mode, mais il est juste ultra bien pensé. Il a été fait par The Red Engineer, mais c'est pour les carottes. Il a été fait par The Red Engineer, thank you. C'est un anglais, à tous les coups, un américain, je ne sais pas. Et c'est un no mode Mario. Donc je ne sais pas si vous avez la Wii U et si vous avez Super Mario Maker. Mais c'est un jeu vidéo pour créer vos propres niveaux Minecraft. Et quand j'ai vu ce no-mode, moi j'ai ni la Wii U ni le jeu. Et quand j'ai vu ce mode, je me suis dit, non mais il faut que je télécharge sans déconner. Voilà, faut que je crée la commande. Donc pas besoin de vous montrer, voilà, pour que vous vivez en commande blanc, c'est cette commande. Ça, je dis votre pseudo Minecraft 2 points. Non, là, je me suis dit un comparateur, fail. Commande bloc, voilà. Donc là vous avez votre commande bloc. Vous copiez la commande qui est dans la description, vous la mettez dans votre commande bloc et vous obtiendrez cette machine. Donc il y a toujours trois panneaux. Remove pour enlever la machine. La commande, bah, c'est Mario Mechanic by The Red Engineer. Et Get Item. Donc là, vous faites clic droit dessus. Et vous avez tous les items. Il y a une barre entière d'items qui sont vraiment ultra bien. Ça, c'est un parcours qu'on fera à la fin de la vidéo. Donc ça, je l'avais déjà fait. Donc alors, on commence par le début. Alors, on commence par le début. Donc là, on a des level starter, donc c'est celui le plus à droite. Vous faites clic droit par terre, et dès que vous... Et normalement, non, la dernière fois, ça avait fail. Et si vous passez dessus, voilà, ça fail. Normalement, vous êtes censé avoir ces deux effets. Donc, satiété et soit amélioré. Et vous transformez en Mario. Je reviens. Et donc voilà, on se transforme en Mario qui est très très bien fait. Et c'est sans pack de texture, hein. C'est une tête de Mario et avec tout le reste. Mamie, it's me Mario, let's go. Et une tête de Mario, putain c'est excellent. Alors après le level starter, on a le flag qui comme tout niveau Mario qui se respecte, c'est la fin d'un niveau. Ça c'est bon, j'ai fait. On a les coins que serait Mario dans les coins. Vous faites clic droit dessus et hop, ça vous fait des coins. Et si vous les ramassez, il y a déjà un petit bruit sympa. Et en plus, vous les récoltez sous forme de pépites d'or. Donc voilà, c'est vachement sympa. C'est des pièces. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les pièces et vous pouvez customiser. What? On a trouvé un bug. Vous vous mettez au-dessus et c'est bon, vous êtes riche. Oh le bug, j'ai jamais vu ça. Hop. Bon bref, arrêtons le massacre, écoutez, hop. Donc voilà, donc ça c'est pour les coins. Ensuite on a les briques, que serait Mario sans les briques, je voulais vous dire ça à chaque fois. Hop, donc voilà, vous avez les fameuses briques, donc ils peuvent se casser quand vous avez un champignon, et les champignons ça s'attrape sur ça. Donc vous avez deux œufs pareils, en fait il y a le coin lucky block et le mushroom lucky block. Si vous passez un coin lucky block et que vous allez dessous, hop, ça vous donne un coin, tout simplement, voilà. Comme dans certains niveaux, même dans tous les niveaux de Mario. Par contre, si vous placez un mushroom lucky block, vous passez dessous, et là, en fait, c'est un champignon, et il va se mettre à bouger. Il faut juste l'attraper. Par contre, il tourne, il est un peu chiant. Reviens, attends. Allez. Mais, oh, c'est pas possible. Mais reviens. Voilà, bon, là, vous avez entendu le petit bruit. Normalement, il y a une explosion de couleurs. Et dès que c'est ça, ben vous allez voir que là on est censé avoir un champignon, si je me mets en game mode 0. D'accord, ça n'a pas marché, parfait. C'était peut-être bugué, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, c'était juste bugué. Vous avez vu l'explosion de couleur. Et donc là, si on se met en game mode 0, on voit qu'on a une deuxième barre de vie. Et quand vous avez cette deuxième barre de vie, ben vous pouvez casser les briques, tout simplement. Après, on a les Goombas. Donc les Goombas, pour ceux qui ne prononcent pas comme ça, ce sont les petits champignons de Minecraft. Les petits champignons comme ça, un peu comme ça. Bon là il va s'en aller. Et en fait pour les faire changer de direction, on utilise le Goomba Direction Switcher, qui est un bloc de terre, de terre durcie. Vous les mettez à 2 de profondeur, c'est très très important. Et après vous pouvez recouvrir avec des blocs de diems. Et donc là vous avez vu qu'il est du nord, de l'ouest vers l'est. Donc du nord vers le sud. Et donc voilà, vous allez voir que votre Goomba va aller du nord vers le sud. Et si vous voulez faire la même chose mais pour les Goombas nord-ouest, parce qu'il y a des Goombas nord-ouest, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, ouest-ouest, pas nord-ouest, je n'ai pas trop. Et donc comment est-ce qu'on fait pour tuer un Goomba
dans Mario, on leur saute dessus. Hop, vous avez entendu le bruit, le petit bruit, ça veut dire que vous avez cassé le tube ou pas. Et là, le drapeau. Ouais, vous descendez jusqu'au drapeau, on vous applaudit, et le drapeau devient vert. Hein. Vous aviez sûrement vu qu'il était noir. Je vais vous remontrer au pire. Flag. Là, il est noir. Vous le prenez, et il faut le descendre. Bam. Et voilà, il est devenu vert. Et re à tous, on va faire le petit circuit que j'ai fait. Donc voilà, il y a des Goombas, il y a un peu de tout. Donc c'est parti, hop. On casse, on a un coin, parfait. Donc là par contre ça risque d'être chaud de prendre le... Voilà, parfait, il est tombé direct sur moi, donc explosion de couleur. Et voilà, donc là je peux péter les briques. On va tuer le Goomba. Oui. Non, il m'a touché. Vous avez vu que là le Goomba me touche et ça me met un petit peu en arrière, mais j'ai réussi à le tuer en même temps. Donc ce Goomba, n'importe quoi, tu décèdes. Oh, il m'a tué, sérieusement. Allez, on y reva. Il m'a tué ce salopio de Goomba, là. Hop. Voilà. Putain. Faut bien leur tomber dessus, hein. C'est vraiment no mode, quoi. Donc faut vraiment faire gaffe. Vous avez vu que Mario saute très très haut. Voilà, décède. Bâtard. Hop. Parfait. Il y a quelques Goombas. On va... Oui, un champignon. Non, on va pas par là. Donne-moi ma drogue. Voilà, donc parfois il s'arrête un peu pour vous laisser souffler. Non, je l'ai tué, mais il m'a enlevé ma barre de vie. Voilà, je me suis fait les deux. Hop. Merci. Une pièce. Et vous avez vu, on va faire un saut comme ça. Bam. Vous avez vu, c'est ultra bien fait, sans déconner. Voilà, j'ai fait un coup piqué de Mario, comme on appelle ça. Et ça défonce absolument tout. Et ça qui est vraiment génial, quoi, avec Mario. Et attention, le flag. Oui, c'est la fin, c'est la victoire. En tout cas les amis, c'est tout pour cette petite présentation de No Mode. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait exprès de faire une toute petite vidéo. Comme ça, vous êtes au moins sûr de regarder au moins jusqu'à les 3 quarts. LOL. En tout cas, n'hésite pas à laisser un pouce vert pour cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouveaux No Mode. Bye bye.